Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo coloriage. Et aujourd'hui, c'est la fin du coloriage de l'élégante beauty. Voilà, je reprends mon petit papier que j'avais noté. Donc... voilà. Oh là, ça y est, je vais mourir. Alena Lazareva, voilà. Non, hein, je ne vais pas mourir en pleine vidéo quand même. donc, ça y est, il est terminé. Bon, j'avais plus grand-chose à faire. Hein. Donc, c'est pour ça que la vidéo, cette fois-ci, ne va pas être trop longue. Donc, il y avait le petit bout de peau qu'on voyait, donc l'épaule, le petit vêtement, donc le bout de chemisier qu'on voyait. Et j'ai quand même fait un fond. Voilà. Alors, j'avais d'abord voulu faire un fond avec les pastels secs. Puis, pff, non, ça me plaisait pas, ça n'allait pas. Donc, j'ai gommé et je suis repartie avec les aquarelles. Donc, c'est là. Alors, c'est une des palettes d'aquarelles de chez Action que je n'avais encore jamais utilisée. Là, je n'aurais pu vous en dire le nom, mais je vous l'ai marqué en barre d'infos et je vous l'ai mis en incrustation dans la vidéo. Elles sont super belles, je vous dis, je ne les avais jamais utilisées. Elles sont, comment on dit, brillantes, irisées, voilà. Cherchez le mot. Elles sont irisées. Et du coup, ouais, c'est très joli sur le dessin. Donc, je n'ai utilisé qu'une seule couleur pour le fond. J'ai pris la couleur pink, rose, voilà. Et je n'ai pas fait du détail. Hein. J'ai juste fait un fond comme ça, en laissant une petite marge de blanc autour du dessin. Voilà, donc j'ai quand même voulu faire un fond sur celui-là, en faisant bien attention de mettre une page cartonnée derrière, hein, pour pas que ça abîme les dessins derrière, avec l'eau, avec l'humidité. Puis voilà. Bah écoutez, j'espère que ce dessin terminé va vous plaire. Moi, il me plaît beaucoup. J'ai aimé beaucoup le faire également. Voilà. Bon, j'ai hâte d'en refaire d'autres sur ce livre. Je sais pas si je vais en refaire un tout de suite sur ce livre-là, ou si je vais faire reprendre un Emmanuel Collin ou un autre, je verrai mon humeur. je vais bien voir ce que je vais faire, je ne sais pas encore. Sinon, rien de neuf. Le vent s'est calmé, heureusement. Le vent s'est calmé. J'ai pas eu d'autres dégâts. Bon, sûr. C'était pas vraiment des gros dégâts, hein, mais c'est parce que bon, c'est surtout qu'on a eu très peur, Chouchou et moi, bah, pour lui, à cause de ce foutu vent et de la tôle du voisin. Mais là, sinon, ça va. Il n'y a pas eu de dégâts cette nuit ni rien. Donc là, le vent s'est abaissé. Il pleut un petit peu de temps en temps, il y a du soleil, il fait un petit peu de vent. Un temps bizarre. Comme j'ai vu là ce week-end, alors là on est à combien? 15 je crois de température. Alors ce week-end dans le nord on va monter à 24. Et lundi, mardi on redescend. On sera à 18, je crois. Pff, ça va encore faire les montagnes russes comme ça. Mais bon. Ça, on ne peut rien y faire. Il faut subir, mes braves gens. Donc, voilà. Bon, ben, je vais vous laisser visionner, du coup, cette petite vidéo. Pour une fois, ce sera une petite, hein, pour le coloriage. D'habitude, ce sont des vidéos qui durent... Oh, ça y est, je baille. Environ une heure. Alors, demain, alors là, je vous filme la vidéo, on est mercredi. Vous allez voir la vidéo, on sera jeudi.
Donc demain jeudi, je ne sais pas si je vais pouvoir faire une vidéo parce que j'ai rendez-vous chez le toubib, chez le pneumologue. Donc comme j'ai rendez-vous vers 15 h, c'est la ville, c'est en centre-ville. Oh, c'est pas vrai, excusez-moi de bâiller comme ça aujourd'hui, mais je suis fatiguée. C'est en centre-ville, ben, la ville qui est une quinzaine de kilomètres près de chez moi. Donc, je ne pense pas que je vais réussir à vous faire une vidéo demain. Donc, aujourd'hui, puisque là, vous la regardez, on est jeudi. Donc, je suis désolée. Du coup, moi, je verrai comment je vais, ce que je ferai, ou en rentrant. Bon, on verra, hein? Sinon, voilà. Là, j'en ai une à vous préparer. Surprise, surprise. Mais je n'en dis pas plus. Sinon, bah voilà. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Mais pourtant, je dors, hein, les filles. Je dors. Même Chouchou, il me dit que je ronfle. Donc, c'est que je dors. Mais je suis crevée. Je dors, je me couche le soir. Bon, ben, je me couche fatiguée. Je me couche le soir moins fatiguée que je suis le matin quand je me lève. Le matin, je me lève, je suis déjà complètement à plat. Donc, bon, là, on verra demain avec le pneumologue. C'est pour mon apnée du sommeil. On va voir. Je vais me faire disputer. Enfin, c'est un nouveau médecin, je ne le connais pas. Mais je vais me faire disputer, je vais me faire taper sur les doigts. Elle va me dire, vous ne mettez pas votre machine régulièrement. Je sais. C'est chiant la machine de l'apnée du sommeil. Et j'ai remarqué que quand je la mets, l'après-midi, vers les 5 heures, eh ben, je tombe comme une mouche dans mon fauteuil. Alors que je ne devrais pas. Parce que c'est en mettant une machine pour l'apnée du sommeil, c'est pour vous aider à être moins fatiguée. Et bien quand je la mets, je suis encore plus fatiguée. Mais je vous le dis, je suis bizarre, moi. Quand je le dis que je suis bizarre, que je suis une extraterrestre. Et ouais, je suis bizarre, bizarre. Bon, on verra bien ce qu'il me dira demain. Ou peut-être que ma machine est mal réglée, ou j'en sais rien. On verra. Je vous en reparlerai. Bon. Allez, je vous laisse. J'arrête de blablater. Mes 10 minutes de blabla arrivent. Je suis toujours à peu près, hein, dans mes 10 minutes de blabla. Allez, je vous fais à tous des gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Et laissez-moi plein de commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. À bientôt. Bisous, bisous. Bon visionnage.